Et yo les potes, c'est Jordi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, petite vidéo qui sera assez rapide, moins de 10 minutes, je pense bien. Si aujourd'hui je vous fais cette vidéo, c'est parce que il y a quelques mois, maintenant il y a plus de 3 semaines, pire, ouais, je veux dire 3 semaines, j'ai commandé un truc sur le site de Vitality parce que pour un édition collector de boîtes et de maillots. Le maillot est numéroté apparemment. Et bah oui, alors, je vous annonce que j'ai commandé un au Vitality. Voilà. Actuellement, le produit est en rupture. Alors, je peux dire que je suis peut-être un peu content d'avoir commandé d'avance. J'ai pas pu travailler sur la vidéo parce que je travaillais. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire ce petit unboxing avec le logo Vitality, une petite signature, et qui représente pour les Jeux Olympiques une édition illimitée. C'est-à-dire qu'en vrai, il n'y aura peut-être pas tellement de monde. Je sais qu'il y a des brassards. J'ai pas pu les commander. J'attends que ce soit redisponible sur leur site. Mais je vais les recommander automatiquement. Alors comme vous pouvez voir, couleur Jeux Olympiques, couleur de la France, légèrement, je vous dis direct, qui est le bleu, le blanc et le rouge. Et je pense que si vous voyez qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, il y a des trucs collector, peut-être des trucs stylés. Alors j'ai tout déballé parce que je voulais voir à quoi ça ressemble et tout. Mais actuellement, je ne vais pas laisser sur vous. Ou peut-être pour vous, ça va être 2 secondes. Mais moi, le temps que j'aille dans la douche parce que je vais sortir du taf, je pouvais pas vous le présenter avant. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que regardez la boîte. Elle est montée. Et ça, je pense que Vitality ont fait une jolie petite collague. Alors le gars de la poste qui me l'a livré a mis le carton dans ma boîte à lettres en forçant. C'est-à-dire que ça a abîmé un peu le carton. Ça m'énerve. Mais de prochain coup, je crois que si je dois me commander un truc collector sur le site de Vitality, je sais qu'on peut le retirer au magasin, à leur boutique. Alors vous connaissez leur Instagram, ça s'affiche actuellement, directement. Ensuite, il y a le mien, vous pouvez venir me suivre, comme ça au moins vous pouvez savoir si je suis actif, est-ce que je suis en live, ou voilà, vous voyez mes stories. Et là, actuellement, on va le déballer. Alors ce qui est bien, c'est que oui, j'ai tout regardé comme avant, mais vous, peut-être que vous ne l'avez pas vu. Alors pour moi, c'est un truc exceptionnel, vous voyez. Alors, la première truc que vous pouvez avoir, oui, il y a la petite facture, tous les trucs que vous avez, et le fond rouge, qui est assez bien, vraiment. Je crois que ça doit être Paris ou un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça. La signature de Paris. Et qu'est-ce qu'il y a en premier? Moi, j'ai mis en premier parce que c'était pas ça au début. Mais au début, il y avait les petits autocollants Vitality, voilà. Alors, je suis quelqu'un qui garde les autocollants de base, Team Vitality Paris. Et je pense que ça représente le coq, les Jeux Olympiques, c'est pour ça qu'ils ont tous ce style de maillot. Mais les autocollants, de base, je les garde tous. Alors j'ai peut-être collé des autocollants sur mon PC, mais il s'agit de PC, un autocollant Gameware, il y a un jeu, ça c'est du Watch Dogs, voilà, mais ce style d'autocollant je les garde automatiquement. Ouais, c'est ça. Et ensuite, il y a eu quoi? Alors il y a eu des petits bracelets, Team Vitality à côté, Paris, avec le petit logo, voilà. Alors il y en a deux, un bleu et un blanc. Et vraiment les deux, ça le fait bien, hein, vous voyez, vous les mettez tous les deux. Avant j'en portais. Mais voilà, Team Vitality. Ce serait marrant d'en porter un sur chaque la main, mais non, peut-être pas. Mais même ça, je ne le donne pas. Alors, et là, après ensuite, on a eu la petite écharpe. Alors je pense que les écharpes Vitality, c'est la chose qui disparaît assez simple. Ici, vous avez Paris, qui peut être assez stylé quand même. Et de l'autre côté, vous avez Vitality. Avec au bout Paris, et de l'autre côté les logos de Vitality face à le logo Paris. Et vraiment ça, je pense que si je dois aller voir des matchs, ce serait marrant. Ou peut-être même aller voir Vitality. Hein. Vitality. Voilà. Et c'est pas le premier t-shirt. Hein. J'ai commandé un autre t-shirt, mais celui-là, je voulais vous le présenter. Comme ça, au moins au cas où si vous le trouvez sur le bon coin. Alors je sais que certains vont le revendre plus cher. L'unité sort qu'il n'en avait pas d'état. Moi ma taille c'est du S, non du M, ouais du en Europe du M, et voyez ça représente à ce coup là et voilà. Ici vous voyez les manchettes, les côtés bleus et l'autre côté rouge, et le haut il est en bleu foncé avec le petit logo H4M et après le petit miel et tout. Alors actuellement vous n'allez pas me le voir porter, mais ceci vous allez me voir dans quelques secondes, le temps que j'allais prendre une douche parce que je viens de partir du taf, et je pense que pour vous ça va être rapide. Voilà les amis,
au cas où, pour la petite coupure avant, vous connaissez la maison, abonnez-vous, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube. Là, je vais commencer à restreamer, j'attends la prochaine mise à jour d'un jeu, bizarrement. Et on va continuer les streams sur YouTube, et voilà. N'hésitez pas à activer la cloche, comme ça, moi, si vous faites rien et vous êtes sur votre téléphone, ou sur votre ordi, iPad, vous pouvez venir me suivre directement, voilà. Allez, je vous fais des bisous à tous, et à tout de suite. Et me voilà, les amis, vous voyez, avec le Vitality, la petite écharpe, comme je l'avais dit tout à l'heure, ça représente la France, le logo Vitality, d'un haut, il y a Paris, et voilà, le nouveau Vitality que j'ai pu acheter, avec le logo Vitality, avec représentant la France. Vraiment, je pense qu'ils ont fait du bon travail. Ah, je vais pas me plaindre. Et au cas où, si vous me demandez c'était quoi mon ancien haut, bah pas mon ancien, je le mets toujours. Mais voilà mon premier haut Vitality avec le petit logo qui se ressent au toucher. Après, il n'y a rien de base, hein, jaune sur les côtés. Et derrière, il y a mon prénom, Jordi. Alors, actuellement, pour le logo Jordi, je vais pas vous mentir que je me plains parce que c'est petit. Et enfin, cette fois, je ne l'ai pas mis Jordi sur ce haut-là, mais je vais le mettre. Et pour ça, je connais quelqu'un qui fait du flocage. Que je lui dis, bah écoute, il faut que ça soit plus grand que ça. Voilà. Et qui se trouve peut-être un peu plus large, vous voyez. Mais voilà. Alors, justement, je vais le faire floquer. Et j'espère qu'il va me le faire. Ou peut-être qu'il va me le coudre derrière, vous voyez. Parce qu'il y a certains qui coudrent les prénoms et c'est pas cool. Alors, je vais réfléchir et dès que je l'aurai fait, bah. Vous verrez soit en photo ou voilà. Alors bah c'est tout pour la petite vidéo. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne, parce qu'aujourd'hui je crois que j'ai envie que les gens s'abonnent à ma chaîne. Ça va faire bientôt 7 ans, je crois, que je fais des vidéos sur YouTube. Et qu'aujourd'hui j'ai 103 ou quelques abonnés. Vous voulez voir en dessous et ça s'affiche absolument. Et enfin, bah oui, voilà, j'ai envie d'augmenter le nombre d'abonnés. Pas le nombre de dire, bah voilà, je suis youtubeur, je vais faire que ça de ma vie. Mon travail me plaît. Et en vrai, je me dis que le temps que je fasse des vidéos, ok, il y a peut-être du travail à faire. Il faut un boîtier d'acquisition. À la fin de l'année, je risque de m'acheter un meilleur ordinateur portable. J'ai même envie d'acheter un nouveau bureau, vous voyez. Mais bah, c'est pas avec YouTube que je vais réussir à m'offrir. C'est avec mon travail. Et comme mon travail, je l'adore. Je continuerai à faire des petites vidéos de temps en temps. Si vous ne me voyez pas pendant des mois, n'hésitez pas à rester abonné. Et moi, je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas à me suivre pour me faire plaisir. Voilà. Allez, ciao, bye bye et à très bientôt.